Parano comme Charlie Mattei, parce que je fais des mappeaux. J'pense à Parano comme Charlie Mattei, parce que je fais des mappeaux. Hello mes stars, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Moi ça va, j'ai pas beaucoup dormi, mais j'ai bien dormi. Aujourd'hui j'ai trop hâte de mon programme, les filles, vous allez suivre mes stories. J'ai les graves kiffés, je suis trop contente. Je vais faire une trop trop bonne activité. Moi je voulais déjà vous remercier les filles pour tous vos messages, celles qui étaient contentes pour moi et tout. Vraiment, ça me touche trop et ça fait trop plaisir. Jure, moi, les filles, quand je vois une fille qui s'achète un sac, une voiture et tout, mais je vous jure comment je suis trop contente pour elle. C'est comme si c'était moi. Parce qu'en fait, moi, j'aime trop les sacs, j'aime trop les voitures. Hein. Je trouve ça trop beau et tout. Et franchement, moi, ça me fait trop, trop, trop plaisir. Et ça me fait plaisir qu'il y a certaines personnes, ça leur fait plaisir. Vous voyez ce que je veux dire, les filles? Bref, et pour le reste, ben voilà, vous savez ce que j'en pense. Ça rentre par là, ça ressort de l'autre côté. Franchement, mais j'arrive pas à comprendre les gens qui sont... Parce que pour moi, c'est de la jalousie. Clairement, les filles, en fait, quand t'as pas d'argument comme ça, les filles, vous allez rigoler. Il y a un mec, il a commenté ma photo hier. Genre, il a dit, oh, moi, je comprends pas. Putain, ouais, moi, je comprends pas. Elle va même pas dépasser les 150 km/h pour s'acheter un RS3 pour s'acheter un RS3 alors qu'elle va rouler avec comme si c'était une 7500. En gros, je comprends pas. Elle s'est acheté un RS3 juste pour aller chercher ses gosses à l'école et aller faire les courses. Genre, en fait, il dit que des trucs comme ça. Mais frère, je fais ce que je veux. Si je veux m'acheter un RS3 et rouler comme si j'avais une Fiat 500, c'est mon problème en fait. C'est comme en jury, je l'ai acheté avec son oseille, le mec. Et je vous jure comment j'ai rigolé. Franchement, je l'ai même pas pris mal. Je vous disais, les filles, genre que il dit des trucs comme ça. Mais je vous jure, moi, je l'ai même pas pris mal en fait, tellement que ça m'a fait rire. Genre en fait, ses commentaires, ils m'ont fait trop rire. Genre de dire que ouais, j'avais acheté un RS3 juste pour aller chercher mes gosses à l'école, que j'ai même pas dépassé. Oui, c'est vrai, j'ai même pas dépassé les 150 km/h. Mais alors, je fais ce que je veux. Non, mais vraiment, c'est un délire quand même. Il y a des gens, genre,
terminé. On dirait que je l'ai acheté avec leur oseille. On dirait que je l'ai pris de leur compte, l'argent. Franchement, ça me choque. Genre, calmez-vous. Mais heureusement, c'est vraiment... Allez, on va dire max 5% de mes commentaires. Genre, le reste, c'est que du positif, que des gens qui sont contents, pour les gens et tout. Mais ne croyez pas qu'en commentant négativement, qu'en critiquant et tout, vous allez avoir, hein, vous allez rien avoir du tout. Hein. Arrêtez de critiquer. Au contraire, vous allez moins vous... plus vous critiquez, moins vous allez avoir. Franchement, c'est un délire quand même d'être comme ça. Je sais pas si vous êtes content pour les gens. Ils ont dit ouais, c'est marrant que tu l'as acheté. Alors en fait, il y a des gens, ils savent pas où ils ont mal. Mais franchement, on va parler des Français ce matin. Il y a des gens, ils savent pas où ils ont mal. En fait, quand. En fait, c'est. Genre un jour, ils vont dire ouais, c'est Marouane, je sais pas quoi. Nanana. Après un jour, ils vont dire ouais, c'est elle et pas Marouane. Elle l'a, lui l'a pas. Lui l'a, elle l'a pas. Après, ils vont dire ouais, c'est un leasing. Après. En fait, faut vous décider. C'est soit moi, soit Marouane. D'accord ? Moi, je vous le dis. La voiture, je l'ai payée de ma poche, de mon argent à moi. D'accord ? C'est ma voiture, c'est à moi. Rien à voir là-dedans. Donc, après, que vous me croyez ou pas, moi, j'ai pas me justifier. Franchement, moi, vous savez, les filles, je me justifie plus parce que. En fait, il y a des gens, ils t'aiment pas. Et quoi que tu fasses, quoi que tu dises, quoi que tu prouves, ils ne t'aimeront jamais. Moi, ça fait quelques années que je ne me justifie plus. Encore moins pour des gens qui ne m'aiment pas. Et j'ai pas tant à perdre avec ces gens-là, en fait. Enfin, moi, je dis la vérité. De toute façon, les filles, vous connaissez mon caractère. Vous savez comment je suis. Moi, je m'en bats les reins, mais un point, oulala, ça me passe au-dessus. Donc voilà, quoi. Moi, franchement, les filles, je m'en fous. Moi, tant que ma voiture est dans mon garage, que je vais rouler avec, je roule la belle avec, clairement, le reste, je m'en fous. Vous pouvez penser ce que vous voulez, que c'est un leasing, que c'est marrant qu'il l'a acheté, qu'elle est au voisin, que c'est une location. Voilà. Je m'en fous. La vérité, je m'en fous. Voilà. Mes fils se sont fait la douche. T'as bien dormi, ma vie ? Hein, mon bébé ? Mon petit cœur. Qu'est-ce qu'il a, toi? Le jaloux. Qu'est-ce que t'as, le jaloux? Je vais pas tarder à aller me préparer, les filles. J'ai 30-40 minutes, je vais aller me préparer. J'ai trop hâte de me préparer. Vraiment, les filles, j'ai trop hâte. Non, c'est à moi. Non. Mais si, c'est à moi. Non. Oui, c'est à moi. Mais... Non. J'aime trop, mais je veux les faire. Hey, comment c'est trop beau. Oh là là, vous avez kiffé. Vraiment, les filles, vous avez kiffé. Franchement, je m'y attendais pas. Parce que je sais que les filles, vous aimez pas être comme ça. Mais genre... là, vous avez vraiment kiffé. En fait, ça fait trop naturel. Genre, vraiment, ça fait trop trop beau. C'est trop naturel. Bref. Là, voilà, quoi, les filles. En tout cas, je souhaite de passer un bon week-end. Un bon week-end, une bonne journée. Et de toute façon, moi, je vous snap toute ma journée, les filles, comme d'habitude. Et voilà. Voilà, voilà les filles. Allez mes gars, c'est parti. Je vais commencer à me préparer. Donc on va se préparer ensemble. Du coup là j'ai commencé par faire ma skincare. Je suis trop contente.
content d'avoir reçu mes produits Organica. Vraiment, qu'est-ce que je les aime. Vraiment, je suis trop contente. Trop. La lessive, j'ai commencé par me nettoyer la peau. Ça, la lessive, c'est obligatoire. Je l'aime trop, cette mousse lessive. Là, on a un code promo vous donner. Hein. Je pense que je vais vous le donner tout de suite parce que j'ai peur de rentrer tard ce soir et de vous le donner trop tard. Donc je vais vous le donner maintenant. D'abord, je vais vous montrer ma petite skincare. Donc pour celles qui connaissent Organica, vous savez que ça, c'est ma routine préférée. J'avais plus les produits parce que j'avais tout laissé en France. Et mon colis, il avait du temps à arriver parce qu'en fait, elle a fait un nouveau packaging. Du coup, elle attendait de recevoir le nouveau pour l'envoyer. Je suis trop contente. Mais en attendant, les filles, j'utilisais quand même le savon Organica. Il est incroyable. Ah, le savon Organica, les filles, franchement, c'est une pépite. Il m'enlève tous mes boutons. Je vais vous mettre une photo que je vous avais postée sur Snap de ma peau. J'avais plein de boutons. Et le savon, ça m'a tout enlevé. Franchement, je suis trop contente. Bon, pour les nouvelles de mon sim, je vais vous présenter la marque Organica. C'est ma marque de skincare préférée que j'utilise depuis bientôt un an. Ça va faire un an les filles que j'utilise parce que j'ai commencé à l'utiliser avant l'été. C'est de la bombe atomique. Les filles, c'est des produits qui sont 100% naturels, qui sont notés excellents sur Yuka et qui sont à base d'huile de nigel et de vitamine C. Donc ça, c'est le best-seller. C'est la mousse nettoyante avec la brosse intégrée qui va venir enlever les filles toutes les impuretés, tous les résidus de make-up. Franchement, les filles, elle est incroyable. Franchement, c'est la seule marque qui a une brosse intégrée. Et franchement, c'est de la frappe atomique. Genre, ça enlève tous les boutons. Pour celles qui ne savent pas, l'huile de nigel et la vitamine C, ça a énormément de bienfaits pour la peau. L'huile de nigel, c'est excellent pour les filles qui ont la peau grasse, de l'acné, des boutons. Qui ont des points noirs, ça enlève tout. Et la vitamine C, c'est excellent pour rajeunir la peau, pour apporter un coup d'éclat, un coup de boost. Voilà, donc c'est pour ça que je kiffe cette marque parce qu'en fait elle rassemble tous les trucs, elle élimine tous les trucs qu'on n'aime pas. Les boutons, on n'aime pas, la peau grasse, on n'aime pas, les rides, on n'aime pas. Et vraiment, ici, ça élimine tout ça, ça traite tout ça. Franchement, c'est de la bombe. Et comme je vous dis tout le temps, c'est une gamme que mère et fille peuvent utiliser. Parce qu'en fait, elle convient vraiment à tous les âges. Que ce soit les adolescents qui ont des boutons. Ou que ce soit les femmes qui veulent atténuer leurs rides. Donc franchement, elle est incroyable. Donc là, j'ai mis le sérum coup d'éclat. Qui va apporter un coup d'éclat à ma peau. Qui va venir faire la glass skin. Franchement, il est incroyable. L'odeur des produits les filles, elle est magnifique. Franchement, j'aime trop les produits Organica. Vraiment, les filles, c'est de la bombe atomique. Et après, vous venez utiliser la crème qui est juste parfaite. Ce que je kiffe avec cette marque, les filles, c'est que les crèmes, elles vous font une peau figée. Ça veut dire qu'on dirait que genre, vous avez fait les injections au visage. Genre, en fait, ça vient figer votre peau. Franchement, elle est excellente, les filles. Excellente, excellente. Et ça vous fait la glass skin. Genre, vous allez voir, après, je vais vous montrer ça en fil. Vous allez voir ma peau. Genre, elle est toute lumineuse et tout. Et vraiment, les filles, vous avez des résultats dès la première utilisation. Vraiment, les filles, c'est de la bombe atomique, ces produits-là. Je les kiffe de fou. Vraiment, les filles, comme je dis, ça convient à tout le monde, à tous les types de peau, à tous les types d'âge de peau. Ça traite tous les besoins. Ça élimine les boutons, atténue les rides, ça donne un coup d'éclat. Et pour celles qui ont la peau grasse, elle est incroyable. Vraiment, parce que l'huile de nigel, ça, c'est trop bien pour les peaux grasses. Donc là, ici, j'ai mis le contour des yeux. Vous avez la marque, la gamme complète. Vous avez la mousse nettoyante, vous avez le sérum, vous avez la crème et vous avez le contour des yeux. Bon, franchement, les filles, je vous conseille de tout prendre parce que tout est incroyable. Genre vraiment, le contour des yeux, il est incroyable. Il nourrit super bien le contour de l'œil. Et ce que je kiffe aussi avec les produits Organica, les filles, c'est que en fait, ça rend pas la peau grasse. Genre, c'est des produits qui pénètrent directement la peau. La peau l'absorbe directement et ça vous laisse un effet satiné sur le visage. Franchement, c'est magnifique. Et vous pouvez directement vous maquiller. Après, moi, j'aime bien l'utiliser en base make-up. C'est là parce que
comme je vous l'ai dit, elle fait un effet liftant sur le visage et c'est trop trop beau. Franchement, moi, c'est ma marque. Ça fait bientôt un an que j'utilise Lefty. Je vous parle que de cette gamme de skincare parce qu'elle est magique. Donc franchement, foncez les filles. Vraiment, celles qui n'ont pas encore acheté Organica, vous allez kiffer. Et comme je vous ai dit, ça convient à tous les âges. C'est-à-dire que si tu es adolescente, que tu as des boutons, que tu as la peau grasse, ça va super bien marcher. Ça va tomber tous tes boutons. Et si tu as des rides que tu veux atténuer, apporter un peu. Parano comme Charlie Matei, parce que je fais des mappéos, je pense à changer de pays. Parano comme Charlie Matei, parce que je fais des mappéos, je pense à changer de pays. Parano comme Charlie Matei, parce que je fais des. Franchement, le cadre il est vraiment canon et du coup c'est pas le plus beau spot, il est l'un des plus beaux. On va y aller là, on a fait une petite pause. Franchement c'est trop beau. Heureusement les filles, heureusement que j'ai pris une brosse avec moi, sinon je ressemblerai à rien. Dès que je prends rien, mon make-up est tout parti. Bon, c'est pas grave, franchement c'est trop trop bien. C'est un peu chaud mais ça va, franchement je trouve que c'est agréable, genre c'est pas étouffant, franchement ça va. Bon les filles, on a mis l'essence, on a failli tomber en panne. Là on est à la station. J'ai bien envie de prendre les bonbons ou quoi. Pas comme prendre. De retour à la maison, franchement j'ai passé une trop bonne journée. Franchement les filles, c'était trop trop bien. Le paysage, c'était canon, la moto. Franchement j'aime trop faire la moto les filles. Alors vraiment je kiffe, genre j'aime trop trop trop. Donc super après-midi, j'ai kiffé. Voilà mes gars. Go retrouver mes fils d'amour, il me manque trop. Enfin à la maison. J'aime trop retrouver mon chez moi les filles. Vraiment, je kiffe. Enfin à la maison. Bon, allez, je rentre. Mes filles sont au palais, doivent être au parc. Je pense sûrement pas tard à rentrer. Il me manque trop. J'ai hâte de voir moi ce soir. Les filles, je sors. Je reste avec des copines. Donc, je pense que je vais me démaquer parce que là, mon make-up il est dégueulasse. J'ai l'impression de coller avec le sable et tout. Donc, voilà, mes cheveux, bah, je vais essayer de les arranger un peu. Et voilà, je sais pas comment je vais m'habiller. Je vais voir. En tout cas, j'ai trop hâte.
Bon, les là, je sors de la douche, ça fait trop du bien. Je me suis lavée parce que je vous ai dit, je collais avec le sable et tout. Du coup, là, je me suis tout démaquillée. Et là, je vais me remaquiller les yeux. Parce que, comme je vous ai dit, je sors avec des copines ce soir. Donc voilà. Je vais me refaire un coup de plaque aussi après quand je termine. Je suis dégoûtée parce que c'est gras devant. À cause de la pluie, je suis dégoûtée. C'est pas grave. Voilà. Bon, c'est parti, les filles. Je vais me maquiller. Let's go. Bon. Avant de me maquiller, les filles, je vais me brosser les dents avec le sérum Smile. Comme je dis à chaque fois, on va aller au resto et tout, j'utilise. D'ailleurs, vous avez toujours les moins 50 ici sur le site. Franchement, profitez d'en, ça vaut grave le coup. Et franchement, ça marche trop bien, c'est d'avant votre mec. Alors, on va aller au resto et tout, ça. Incroyable. C'est cher, les filles. Du coup, comme je vous disais, les filles, vous avez toujours les moins 50% sur le site Smile avec le code YASAPRIL. Le pack avec tout à l'intérieur, les filles, il vous revient à 59€ au lieu de 149€. Franchement, ça vaut trop le coup. C'est de la bombe. Moi, je suis ça tous les jours, les bandes. Je les ferai ce soir parce que je ne les ai pas fait pour aujourd'hui. Je continue mon traitement. Oh, je crois que les filles sont rentrées. Donc j'utilise ça tous les jours pour blanchir mes dents. Et comme je vous ai dit ça, on est allé au resto, c'est de la bombe. On va avoir un coup d'éclat. Franchement, c'est de la bombe atomique. Donc je vous mets mon code là. Vous avez toujours les moins 50 sur le site de Smile. Oh mes girls, je suis prête. J'ai mis votre robe préférée. Enfin, je la mets. C'est plus tard que j'attends que je vous la mette. Donc voilà, je me suis maquillée. Je me suis habillée. J'ai mis ce petit sac. Voilà, simple. Avec des petites boucles d'oreilles comme ça. Regardez comment elles sont poil. C'est des AP à Monaco. Petit diamant pendant, comme ça j'ai pas mis de collier parce que je savais pas lequel mettre. Et je trouve que la robe ça va, elle est assez chargée, j'ai pas besoin de mettre de bijoux, je pense. Mais voilà les filles, hein. J'aime trop. Je mets des petits talons simples, vous savez, les transparents là de chez Zara. Et voilà, j'ai trop hâte de sortir. J'essaie de faire une belle photo avec cette robe parce que je la trouve trop incroyable. Donc on va dans un beau petit resto français, c'est un nouveau resto, je crois. Et voilà, est-ce que vous aimez mon petit outfit les signes? Moi j'aime trop. J'ai failli oublier de me parfumer. Mais est-ce qu'on oublie de se parfumer en fait, s'il vous plaît? Ce soir je vais mettre le Montal. Je le kiffe les filles, c'est le Intense Rose Musc. Ils sont trop bons les filles, celui-là. Oh my god, les filles, vous mettez ça, mais votre mari tombe dans les pommes. Tellement qu'ils sont bons. Ils sont incroyablement bons. C'est un parfum de soir, par contre. Moi, je peux pas le mettre la journée parce qu'il est trop fort. Mais le soir, il est parfait. C'est bon les filles. Let's go. J'ai trop hâte. J'ai faim. J'ai pas bien mangé tout à l'heure les filles.
Donc là, j'ai bien mangé, mais qu'est-ce que le ventre. Bon, les filles, là, je vous explique. Je suis arrivée, ma copine, elle m'a déposée. Elle nous attend en bas. Je vais me changer. Et on va à Global Village. J'ai trop envie de plein de bouloulés. On avait tout envie de ça. Du coup, on s'est chauffé. On a dit, allez, go Global. On a 2h du matin. Donc, c'est parti. Regardez, ma copine, elle m'a offert ça. C'est trop mignon. En fait, elle m'a dit que les pétales, c'était du savon. Je kiffe les trucs comme ça. Trop mignonne. Voilà. Go me changer, je vais mettre un petit survégété. Elle est trop canon, cette robe, c'est un truc de fou. Vraiment, elle est trop incroyable. Je suis trop contente d'avoir fait une belle photo avec. Elle est trop belle. Avec mes cheveux là, c'est trop beau. Ouais, je vais juste me changer. J'ai fait trop vite les filles. Moi, j'ai pas fait mon combo là, je vais faire dans la voiture. J'ai mis 7 minutes exactement. Je me change, j'ai mis un t-shirt bleu. En ce moment, j'aime trop le bleu. Je sais pas ce que j'ai avec le bleu, mais je kiffe. Il est trop beau, c'est un t-shirt simple comme ça, avec un petit jean, des baskets. Et voilà, hein. Simple et efficace. J'ai changé mes bijoux. Parce que c'est très important les bijoux. On ne néglige pas les bijoux. Bon, les filles, on est arrivé à Global Village. J'avais un coup de barre dans la voiture, mais là ça va, c'est vu qu'on a trop rigolé dans la voiture, ça m'a réveillé. Bon, les filles, on est arrivé à Global Village. J'avais un coup de barre dans la voiture, mais là ça va, c'est vu qu'on a trop rigolé dans la voiture, ça m'a réveillé. Bon, les filles, on est arrivé à Global Village. Bon, les filles, on a pris des scooters. Franchement, j'avais trop la flemme de marcher les filles, je dis la vérité. Freinage. Donc c'est parti. Bon, les filles, on a pris des scooters. Thank you. Allez, bye en fait. Marche pas moi les filles, marche pas. Franchement, c'est trop méchant de pas marcher les filles, je vous jure. C'est un régal, franchement. Bon, ça passe vite, mais bon, c'est pas grave. Franchement, c'est trop méchant de pas marcher. Bon, là,
Alessia, on est venu réserver pour se faire masser. Franchement, j'ai trop hâte. Là, on réserve, comme ça, on est sûr de se faire masser. Ah, franchement, venir à Global sans les gosses, c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. C'est trop bien. Je suis dégoûtée, on n'a pas pu réserver parce qu'il n'y avait pas de place. Ouais, je suis dégoûtée. Je rêvais d'un massage, là. Ah, mais il faudrait qu'on retourne au massage qu'on était allé, là, tu te rappelles ? En face de, du snack, là. Ouais. Il était trop bien, ce massage. Je suis dégoûtée, je voulais trop me faire masser. Mais j'en rêvais. Enfin au... Voilà, c'est trop trop beau. Allez, les filles, je vous jure, c'est incroyable ton goût. C'est trop 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 bon. J'aime trop. On est près de les filles, les raisins, c'est les meilleurs que les fraises. Les fraises ici, elles sont pas bonnes. Elles sont jaunes. Moi, je vous ai dit, les filles, les meilleurs, c'est les raisins. Ouais, pas cru. C'est trop bon. Ouais, c'est non, mais bon. La dernière fois, j'avais pris et c'était des raisins pourris. Non, là, ils sont. Là, ils sont vraiment. C'est les meilleurs. Moi, je prends que raisins à chaque fois, les filles. C'est trop bon. C'est trop, trop bon. C'est sponge. Non, jamais. C'est pas le ballon, les amis. C'est tunisien. C'est marocain. Non. Comme au bled, comme en Tunisie, comme au Maroc. Je jure, c'est de l'arnaque, ne le prenez pas si vous venez à Global, ça les siens. Ça va trop doucement. Voilà, j'avance à 2 alors j'ai honte et tout, genre j'ai honte que j'aille me regarder avec ça. Non, attends. Voilà les siens, comment finir la journée en beauté, massage. Ça va me faire trop du bien, j'espère qu'il masse bien ici. Franchement, les filles, ça m'a fait trop du bien. En fait, on a pris un massage des pieds parce qu'on n'avait plus le temps là, ça y est, ça fermait. Et en fait, les filles, à la fin du massage, ils craquent le dos. Elle m'a pris par derrière, elle m'a craqué. T'as osé, c'est dinguerie. Franchement, elle m'a craqué tout le corps. Ça m'a fait trop du bien. Non, franchement, c'était sympa à refaire, vraiment. Grave. Moi, je me suis endormie quand elle m'a massé les pieds. Trop fatiguée. Ça me choque pas, en fait. Je suis trop fatiguée. Bon, allez, là, on rentre. Allez, il est 2h du matin, c'est fermé. Tout le monde rentre. Donc, voilà. De retour, les chiens. Je suis KO.